Alors bonjour, ici René Lafleur pour Télécœur. On est samedi le 13 juillet 2024. Je suis présentement donc à l'Arena Nicolette pour une partie de hockey de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Amaska. Oui, bonjour. En fait, c'est la quatrième édition là, du tournoi de hockey amical de l'Association des personnes handicapées. On organise en fait ça pour premièrement promouvoir l'inclusion des personnes handicapées, mais aussi dans le cadre de l'autofinancement. On a nos bénévoles qui s'occupent dans le fond du bar. On a aussi dans le fond tout ce qui est côté nourriture, donc les gens peuvent manger finalement sur place pendant toute la journée. Et aussi bien, les joueurs effectivement participent. Donc on a 6 équipes quand même cette année là, qui participent à notre tournoi. Un événement comme celui-ci, Madame Godin, ça se fait avec des partenaires importants. Effectivement, c'est sûr que sans partenaire, on ne peut pas organiser ces genres d'événements-là. Donc, on aimerait remercier premièrement Desjardins, la Caisse de Nicolet. Ensuite, Paillé, Simeur, qui nous ont offert un gros bac avec plein de glace à l'intérieur. On sait maintenant que c'est difficile et très dispendieux à avoir de la glace. Et aussi Nitec, qui ont financé. Puis on a d'autres partenaires aussi là, où, tout au long là, du tournoi qu'on va pouvoir faire des tirages là, de prix de présence. Donc, on les remercie grandement. Je suis en compagnie de Mme Céline Belle-Rose, qui est la mère de Mathieu Salva, qui est goaler aujourd'hui pour la game de hockey. Est-ce que ça fait longtemps que votre fils joue au hockey? Bien, ça fait, depuis qu'il est à l'EPH, ça fait 4 ans, je dirais. Oui. Il adore ça. C'est sa vie. Oui. Je suis avec Lydia. Lydia, est-ce que tu connais des joueurs dans les équipes de hockey, toi? Oui. Je connais toute la PH. J'en connais quand même beaucoup. Je suis très contente de voir être ici parce que j'aime ça les encourager avec les membres. Je les connais puis ils me parlent souvent et plein de choses comme ça. Francis, c'est un joueur de hockey. Quelle position tu occupes, Francis, toi? Tu joues au hockey? Oui, le hockey. 3 buts. Alors, bonjour, Éric. Ben ça va bien, toi? Ça va bien? Oui, oui. Est-ce que tu joues au hockey, toi, Éric? Oui. Je joue au hockey, là. J'arrête. J'ai fini, là. J'ai fini le hockey. T'as-tu fait des points? Oui, j'ai fait des points, là. Ouais. Est-ce que tu joues souvent au hockey, toi, Éric? Oui, je joue au hockey. Je joue tout le temps, là.